Mathilde, tu dors? Évidemment que je dors. Enfin, je dormais. Elle avait un amant. Quoi? Qui? Maman? Suis-moi, faut que tu vois ça. Attends, quoi? Maman, elle avait un amant? Comment maman a pu nous faire ça? Ah ben non, mais non, non. Marie-Thérèse Charlotte, je t'explique. Les derniers rois qu'ont vécu à Versailles, c'était Louis XVI et Marie-Antoinette, l'Autrichienne. Eh ben, ils ont été guillotinés avec leurs trois enfants. Sauf que, eh ben, il y avait un quatrième enfant qui a réussi à fuir la Révolution. Et est parti en Autriche, le pays de sa mère. Et alors? Ben alors, elle a vécu là-bas jusqu'à ses 73 ans. Et tous les recueils historiques affirment qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Sauf maman, qui affirme le contraire. Et ta mère a toujours raison. Voilà. Et elle a eu un amant. Pas ta mère, Marie-Thérèse Charlotte. T'es pas focus, hein. Hein. Donc, elle a eu un amant. Ce qui dit amant, dit enfant. Enfant d'enfant d'enfant d'enfant. Ce qui fait que l'héritier du trône de France est toujours en vie. Bon, maintenant, il reste plus qu'à le prouver, quoi. Je pense que tu devrais oublier cette histoire, juste aller te coucher, parce que là, ça va vraiment te rendre malade. Maman, elle est partie. Et ses travaux aussi. Eh ben, moi, je suis pas malade. Et ça, je vais le prouver. Par amour pour ta mère. Tu comptes prouver ça comment, au juste? Grâce à eux. Je déclare la réunion ouverte. Et c'est ce que Jeanne était en train de prouver dans son dernier livre, que sa descendance était encore en vie, quelque part en Autriche. Bah, en fait, on n'est pas tous d'accord avec ça. C'est Jean d'Orléans l'héritier, pure évidence. Un amant. Et les Habsbourg étaient contre les Bourbons, peut-être. Et si Marie-Thérèse Charlotte avait eu un enfant, personne ne l'aurait remarqué. Bah, moi, je pensais que vous pourriez m'aider. Je vais vous donner le contact de Stéphane Bern. Bonjour. Vous êtes Thierry? Oui. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes qui, vous? Stéphane. Ah, je vois. Madame le maire s'est encore trompée. Je m'appelle Born. Stéphane Born. Oui, je suis juste en dessous de Stéphane Bern dans sa liste de contacts. Je peux avoir un thé? Et vous aussi, vous êtes historien? Ah non, moi je suis opticien. Ok, je vois. Si la monarchie revient, ce serait qui le roi de France? Jean d'Orléans. Je vois que lui. Merci. Et comment vous pouvez être aussi sûr de vous si vous n'êtes pas historien? Ça fait 50 fois que Madame le maire donne mon contact chaque fois qu'elle a un problème sur la royauté. Du coup, je me suis renseigné. Et je suis hyper calé. Ça va? Faut que tu m'aides, Mathilde. Pour ta mère. Mais l'homme que t'as vu, il t'avait pas dit que c'était... Ouais, je veux quand même pas écouter un opticien. On peut pas laisser tomber. Ah, mais je sais. Faut qu'on aille en Autriche. Ich. Heiße. Ich heiße Thierry. Ich heiße Thierry. Los geht's. Bon, c'est ici que Jeanne a fouillé pendant des mois. Ici, c'est la Révolution française. Il est fortement probable que la descendance de MTC actuelle ait porté le même nom de génération en génération afin de transmettre l'héritage. Ah, MTC s'appelle forcément Marie-Thérèse Charlotte. Ça veut dire que sa descendante actuelle s'appelle Marie-Thérèse Charlotte. Excusez-moi, vous auriez d'autres recherches du même historien?
Pas à ma connaissance, non. Vous êtes sûr, vous voulez pas vérifier? Vous trouveriez certainement votre bonheur aux archives du château de Versailles. Ils ont beaucoup d'actes de naissance là-bas. Mais bon, ça prend des mois pour avoir les autorisations. Même pour les chercheurs. Ah non! Allô, Mathilde? Ouais, c'est papa. Ouais, bon, tu vas peut-être un petit peu t'énerver, parce que... Faudrait que tu viennes me chercher, là. T'es où? Ah, le château? T'as été trop loin cette fois. On arrête cette histoire. Ça veut dire qu'il faut que j'annule les billets d'avion pour l'Autriche? Mais papa, faut que tu te reposes. La mort de maman nous a tous chamboulés. Je pense que tu devrais aller en maison. Juste quelques semaines. Guten Tag. Oh, vous êtes allemande? Ich spreche Deutsch. Ich komme aus Österreich. Österreich, c'est l'Autriche. Mm-hmm. Ich esse Thierry. Und ich heiße Marie-Thérèse Charlotte. Marie-Thérèse Charlotte. Thank you.